Squeezie fait une pause, je vais te dire pourquoi. Alors pour tous les viewers de Squeezie, hein, n'oubliez pas, je suis là. Je suis un peu comme Squeezie, sauf que j'ai le double de son âge et le double de son poids. You're not fat. Ce qui est fou, c'est que même si Squeezie fait une pause, il fera toujours plus de vues que moi. Il est respecté par tout le monde, il fait des vues, il fait du beau boulot. Tout l'inverse de moi, quoi. C'est super. Au début, les gens pensaient qu'il avait complètement arrêté pendant 3-4 mois. Non, parce qu'il sait bien que s'il arrête pendant 3-4 mois, c'est mort. C'est comme ça, YouTube. Les gens t'oublient plus vite que ma dernière relation sexuelle, ok ? En fait, il va juste ralentir un peu la cadence. C'est vrai qu'il sort énormément de vidéos, c'est vraiment une machine de guerre. Ce qui est marrant, c'est que ça tombe pile poil le jour où sort le reportage sur sa carrière. C'est quand même une coïncidence folle d'avoir lancé un sorte de buzz comme ça. C'est pas fait exprès. Non. Non. Après, c'est pas con de la part de Squeezie d'avoir fait ça. Je pense que comme ça, les gens reparlent un peu de lui. Je sais pas si c'est fait exprès, j'ai aucune preuve. Mais en tout cas, je trouverais ça malin. Je trouverais ça malin, si. J'ai vu un bout du reportage, là, ce matin. Franchement, c'est sympa. Je pense que Squeezie était tellement fatigué, mais qu'il devait continuer de sortir des vidéos, tout ça, juste pour arriver à son reportage, pour qu'il marche sur Prime, tu sais. Et au bout d'un moment, il a dû en avoir tellement marre. Il fait, j'ai envie de faire une pause, mais je peux pas. Tu vois, il devait se retenir, tu vois. Un peu comme quand je fais l'amour avec ma femme, faut que je me retienne. Allez, je retiens jusqu'à 18h22, c'est parti. Ah, trop tard. Ouais, trop tard. Les gens vont croire que je suis un mauvais coup. Hein. Je suis vieux comparé à Squeezie, mais ce qui m'énerve, c'est que je respecte des gamins qui sont vachement plus jeunes que moi. Putain, j'ai vraiment, c'est comme Domingo, ces mecs-là. J'ai du respect pour eux alors que j'ai quand même 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus qu'eux. C'est un peu de jalousie de ma part, on va pas se cacher. Hein. Et un manque flagrant de talent, mais bon, en tout cas, ils sont forts. Squeezie, il a commencé à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce que tu faisais, toi, à 15 ans? Lui, il faisait des vidéos pour créer l'entreprise. Moi, je jouais à Giroud Manager. Même à cette époque-là, c'était impossible de gagner la Champions League avec le PSG. Bon, en tout cas, dis-moi en commentaire si t'aimes bien Squeezie. Moi, je trouve c'est bien qu'il fasse une pause parce que les youtubeurs, tout ça, il faut faire des pauses parce que ça leur prend beaucoup de temps. Enfin, surtout les youtubeurs qui font beaucoup de vidéos et beaucoup de vues. Parce qu'après, les autres, ceux qui font une vidéo par semaine en short, bon. Coolos la vie, hein. Coolos la vie. Même si plein de boulot, c'est hyper difficile aussi de faire. Hein. Caissière, tout ça, c'est hardcore. Hein. On va pas non plus se cacher. Mais voilà, youtubeur, c'est aussi compliqué, donc je comprends qu'il fasse une pause. Moi, vu que personne ne me regarde, que je fasse une pause ou pas, tout le monde s'en fout. Donc n'hésite pas à venir me voir. Abonne-toi.